Amis de Geekquers, bonjour et bienvenue pour ce nouveau let's play avec votre fidèle serviteur Angel of Death. Et oui, je suis de retour et ce coup-ci on se retrouve sur Fallout Shelter. Donc en plus c'est bien, en ce moment c'est la période d'Halloween. Donc on va aller dans l'abri 666, The Number of the Beast. Et bien sûr, on va faire donc les quêtes spéciales Halloween, parce que voilà, donc Fallout Shelter, comment dire, ça reprend la base de Fallout, c'est-à-dire faire survivre vos petits survivants sous la forme de Pip-Boy, dans un abri que vous concevez vous-même, au fur et à mesure, avec les pièces qu'on vous propose d'aménager et d'évoluer. Et voilà, donc petit récapitulatif vite fait, tac. Voilà, prendre ce qu'il y a à prendre. Voilà. Donc voilà, donc une fois que les ressources sont accumulées, ça va forcément un peu mieux. Hop. Donc, je disais donc que nous allons partir pour les quêtes spéciales Halloween. Alors vous voyez, donc il y a le mystère de l'abri 31, l'histoire de fantômes et l'esprit de Mass Chemical. Bien sûr, nous, on va continuer donc le mystère de l'abri 31. Donc on a fouillé un entrepôt de bonbons, on a fouillé des bureaux, et maintenant on va refouiller à nouveau des bureaux, histoire de trouver où se trouve ce fameux abri 31 en partant du bureau du superviseur. Donc voilà, donc tac, on va sélectionner nos petit Pip-Boy à envoyer. Donc on va envoyer Stephanie Hawkins, Andrew Hawkins et Elizabeth Cox. Voilà, ce sont mes trois résidents les plus forts, disons-le clairement. On va leur donner un petit stock de Steam Pack et de Radix. Voilà. Et on va commencer directement la mission. Donc voilà, donc on arrive pour fouiller le passé de l'abri 31. Voilà. Donc on arrive à l'abri 31. Et on va essayer de trouver ce qu'il faut. Donc voilà, donc c'est un petit point and click. Voilà. Un jeu tout simple, hein, pas besoin de touches dans tous les sens. Hop, c'est un environnement 100% interactif qu'on vous propose, bien entendu. Hop, un ascenseur. Donc du coup, vous dirigez votre petit groupe d'exploration à l'aide de la souris au dépillard. Voilà. Généralement, ils ne font pas long feu. Voilà. Donc, dans l'environnement, vous avez des choses cachées à récolter. Souvent, vos ennemis vous donnent soit des capsules, soit des objets. Voilà. On va pouvoir poursuivre maintenant qu'ils sont tous morts. Alors, qu'est-ce qu'on nous réserve ? Voyons voir ce qui se cache par ici. Cet endroit explose mon trouillomètre. Ah bon. Hop, voilà. Alors, ma souris déconne un peu, je suis désolé. Voilà. J'ai eu quelques problèmes de souris ces derniers temps. Je vous avoue que voilà, donc le temps que la souris se fasse. Donc, ah, un boss. Bon, je pense pas que ça durera très longtemps. Surtout que, elle est quand même armée d'une sacrée bouche à incendie. Hein, voilà. Bon, vous me les finissez rapidement, s'il vous plaît, là, parce que, bon, quand même. C'est un peu longuet, tout de suite. Donc, voilà, donc, des pillards en moins, pour changer.
Là. Ceci étant. Alors, en haut ou en bas? Choix cornélien. On va aller en haut. Il y a moins de choses à visiter, ça ira plus vite. Alors voilà, donc des fois dans des salles il n'y a rien à choper. Voilà. Quand je vous dis que ça finit toujours rapidement avec ces saligots là. Donc, là, continuez de récupérer tout ce qui est récupéré. Poursuivre. Donc on cherche toujours le bureau du superviseur, apparemment, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Fouiller le passé de l'abri. Eh, je veux dire, mais comment je sais si j'ai trouvé le passé ou pas? Parce que là, je vois surtout des pillards qui servent à rien. Donc vraisemblablement, fallait pas aller en haut, ça servait pas grand-chose à part de l'expérience en plus pour mes petits habitants et du matériel en plus à récolter. Alors, donc du coup, bon bah faut aller jusque là. Donc c'est parti. Voilà, ils y sont arrivés tranquillement. Il nous reste encore donc tout le bas de l'abri à visiter. C'est parti. Ah. D'accord. Ok. Un cheval de bois. Donc voilà, donc la mission en soi est finie, mais comme j'aime bien faire les choses à fond, on va finir de visiter cet endroit. Récolter ce qui est récolté, tuer ce qu'il y a à tuer. Et seulement après, on s'en ira. Là, je vois que j'ai oublié une caisse. Voilà. Rien n'est désolé dans les terres désolées. Ouf ouf ouf, quel bon jeu de mots français. Ouais, donc encore des choses à tuer. Ça dure jamais très longtemps, malheureusement. Voilà. Allez. Hop, voilà. Revigorer un peu les troupes. Même si elles n'ont pas perdu grand chose depuis qu'elles sont rentrées dans cet abri qui apparemment était censé être maudit. Mais il n'en est strictement rien du coup. Voilà. Bah voilà, on a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer. Il ne nous reste plus donc qu'à rentrer à l'abri. On se retrouve pour une prochaine mission spéciale Halloween. Bon voilà, donc du coup, donc c'est la fin de cette première petite vidéo sur les missions spéciales Halloween de notre ami Fallout Chetler. Surtout, n'oubliez pas, bien entendu, de partager, de vous abonner à la chaîne, au compte Twitter, au compte Facebook. Surtout, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos de nos amis Scar et Carboom. Et puis nous, on se retrouve pour de prochaines aventures. À très vite, je vous aime, gros bisous, joyeux Halloween!